Shalom, shalom. Shalom à toi, ma sœur. Shalom à toi, mon frère. J'espère que tu as passé une bonne journée. Nous sommes mardi, aujourd'hui, notre jour du rendez-vous avec le Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à prendre une bonne position. Tu vas te connecter au Saint-Esprit afin d'adorer le Seigneur. Car la Bible déclare que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là où tu es bien-aimé, tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas commencer à recommander ce moment sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Que l'Esprit de Dieu nous conduit. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle du début jusqu'à la fin. L'Esprit de guérison. L'Esprit de délivrance. Esprit puissant. Esprit de Dieu. Nous prions que ce soit, que tu contrôles, que tu sois le maître du début jusqu'à la fin. Car sans toi, le Saint-Esprit, rien ne pourra se faire. Oh, que ta présence règne. Oh, que ta présence domine. Oh, que ta présence contrôle toutes choses. Car sans toi, l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Esprit de Dieu, merci, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Implore la miséricorde de Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur pour toute la journée. Pour tes pensées, pour tes paroles, pour tes réactions, pour tout ce que tu as fait qui a attristé le Saint-Esprit. Partagez la vidéo, ma fille Nice. Partagez la vidéo. Ya gloire Matondo. Partage la vidéo, maman Sylvie Akoponga. Partageons la vidéo. Faites rentrer les autres aussi dans la prière. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Dis, Seigneur, moi je reconnais que j'ai péché depuis ce matin. J'ai parlé, j'ai murmuré, j'ai menti. J'ai besoin de ta miséricorde. Reconcilie-toi avec le Père. Reconcilie-toi avec ton Dieu. Demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Concentre-toi et évite la distraction. Prie au nom de Jésus. Commence à implorer sa miséricorde. Le Dieu qui écoute les prières est puissant. Le Dieu qui écoute les prières est vivant. Nous implorons ta miséricorde. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain des souverains. Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Oui, toute la journée j'ai péché. Oui, Seigneur, je ne respecte pas ta parole. Je n'obéis pas à ta parole. J'implore ta miséricorde.
Pardonne-moi Yoshua. Pardonne-moi Adonai, le roi de rois, le Dieu de gloire, le Seigneur de seigneurs. Que ta miséricorde descende dans ma famille. Commence à implorer le pardon de Dieu dans la vie de tes sœurs, dans la vie de tes frères, dans la vie de ton mari. Je pense que tu es en train de prier. Je pense que tu es connecté. Implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, ta miséricorde dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la vie de mon mari. Pardonne le Seigneur. Pardonne dans ma famille ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont dans le mal. Je viens implorer ta miséricorde. Oh, que ta colère ne frappe pas ma famille. Oh, Éternel des armées, j'ai besoin de ta miséricorde dans ma famille. Pardonne ma sœur, papa. Pardonne mon frère. Pardonne-nous, Jésus. Le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'étoile brillante du matin, le souverain sacrificateur, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie. Bien-aimé, commence à implorer le sang. Lave-toi par le sang de l'agneau. Lave tes yeux, ta bouche et tes oreilles. Sanctifie-toi. La Bible déclare que sans l'infusion du sang de l'agneau, il n'y a pas la rémission des péchés. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus annule nos péchés. Commence à monter et pleure le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Purifie ma bouche, j'ai souillé ma bouche, j'ai souillé mes oreilles, j'ai souillé mon corps. Que le sang de Jésus me purifie, me sanctifie, que je rentre dans la présence du Seigneur, purifié et sanctifié. Alléluia, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Envoyez-moi des acclamations, parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il nous a lavé, parce qu'il nous a purifié, il nous a sanctifié. Le grand Dieu, le Seigneur de Seigneurs, l'étoile brillante du matin, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui donne la paix, le Dieu des dieux. Nous t'acclamons ce soir, nous acclamons le Seigneur. Yahweh reçoit notre acclamation, Yahweh reçoit mes acclamations, parce que tu es Dieu. Merci pour le pardon, merci pour le sang, la grâce que tu m'as fait, Seigneur, ce soir, de me pardonner. Alléluia. Ejekaba Santa. Alléluia. 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 Eya baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, le beau Santa Baba. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, le beau Santa Baba. Oh, merci Jésus. Alléluia, alléluia, eh. Oh, gloire à l'agneau, la gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Gloire à l'agneau, oh l'agneau, alléluia, eh. Est-ce que, bien-aimé, tu peux dire merci à Dieu? Reconnais les bienfaits de Dieu, son amour qui t'a gardé toute la journée, son amour qui t'a protégé, son amour qui t'a donné la vie, son amour qui t'a donné la paix, toute la journée dans les transports, au travail. L'amour de Dieu t'a gardé, t'a protégé, t'a sécurisé. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. J'implore papa, ton amour Seigneur, le Dieu des dieux, Yahweh papa, merci pour le souffle de vie, pour la grâce que tu m'as faite de vivre. Je viens reconnaître ta bonté, je viens reconnaître ton amour, je viens te dire merci, merci Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée, merci pour la vie de mon mari, merci pour mes enfants. Bien-aimé, lève la voix, reconnais les bienfaits de l'Éternel. Beaucoup sont morts dans cette journée.
Bien-aimé, plusieurs sont dans les hôpitaux, cloués sur les lits. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Commence à reconnaître l'amour de Dieu. Commence à reconnaître la bonté de Dieu. Commence à reconnaître Yama Sente Rabasanta. Eh Yahweh Bolingonene qui m'en est le Seigneur. Je viens te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Papa, qu'est-ce que j'ai mérité? Je n'ai pas mérité cela, mais tu m'as fait grâce, Seigneur. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître les bienfaits de l'Éternel? Rekama Santa. Rema Santa Barobo Sheke. Rema Santo Robo Sente. Yakaba Baba. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui donne la vie. Il n'y a que toi qui ouvre les portes fermées. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu as donné la vie à ma maison, à mes enfants, à ma famille. Je te bénis. Bien-aimé, lève la voix en signe de reconnaissance. Commence à reconnaître les bienfaits de Dieu aux Zanzambé. Aux Zanzambé, aux Zanzambé. Et Kabashekeraba Santa. Je viens t'adorer ce soir. Commence à adorer ton Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, la diagonèse Miraconda. Partage la vidéo là où tu es. Aide quelqu'un à prier ce soir. Ma fille depuis Pointe-Noire, partage la vidéo. Commence à adorer Dieu, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu de mon alliance, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, et Yabarobo Santa, le Dieu d'Isaac. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, ma sainte, baba, baba, baba. Adore-le, adore-le. Hey. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Le roi des rois. Oh la bonne cachée. Oh, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu m'as aimé. Oh mon Dieu, oh Santa Baba 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 Baba. Commence à lui dire que tu es bon. Tu es bon, tu m'as donné un enfant. Tu es bon, tu m'as donné les enfants. Tu es bon, tu m'as donné la paix. Tu es bon, tu protèges mon travail. Tu es bon, Seigneur. Et kabarobo sotorobo shenderaba. Et kabasantaraba sente baba. Adore-les, adore-les encore. Sors des mots d'adoration. Sors des paroles d'adoration. Il est bon, il est bon. Il est bon, celui qui t'a donné un mari. Il est bon, bien-aimé. Il bénit les affaires de tes mains, il bénit ton travail, il bénit ta maison, il bénit tes enfants. Commence à lui dire qu'il est bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Seigneur, malgré les combats, malgré la maladie, mais tu m'as protégé. Malgré les difficultés, mais tu m'as pas abandonné. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Tu mérites mon adoration. Commence à dire à ton Dieu, papa, tu mérites mon adoration. Tu mérites que je t'adore. Bien-aimé, adore-le. Il honore les adorateurs. Et Namashaka Baba. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas le glorifier? Mon Dieu, mon roi, reçois mon adoration. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut le lui dire ce soir? Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Et Baba Santa Baba, est-ce que Miraconda peut l'adorer? Est-ce que maman Sylvie peut l'adorer? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'exalter? Nzambe mon nene, Nzamba mon nene, Nzambe mon nene, je t'adore, je te loue, je te magnifie, je te glorifie. Reçois mon adoration, l'étoile brillante du matin, le Seigneur des Seigneurs, mon âme te bénit. Bien-aimé, tu dois avoir l'habitude d'adorer Dieu. Ici, au milieu de la louange,
et l'adoration de son peuple. Il faut enlever sa koraba sotorobo shakababa. Rema santa baba. Oh yakaba soto. Commence à adorer Dieu. Est-ce que tu peux m'acclamer? Envoyez-moi des acclamations pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que tu peux partager? Partager, 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 bien-aimé. C'est un moyen pour toi d'évangéliser. Commence à acclamer Jésus. Eh, hey, Yahweh, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Yannis, partage la vidéo. Fais rentrer les autres dans la prière. Nzambelanga Zamonene. Nzambelanga Zamalamou. Le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur, je sais que tu es en moi, que ta présence en moi commence à travailler, que ta présence, bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin d'appeler l'Esprit de Dieu parce qu'il est déjà en toi. Tu n'as plus besoin d'appeler sa présence parce qu'il est en toi. Dis-lui seulement d'agir comme il est en toi. Je sais que tu es là. Travaille dans mon cœur, là où il n'y a pas de paix. Travaille dans mes pensées. Tu as présence. Travaille dans ma maison. Agis dans mon foyer. Agis dans mon couple. Ta présence dans mon travail. Là où ça ne marche pas, j'appelle pas. Papa, je sais que tu es là. Commence à changer les choses. Commence à travailler. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es connecté? Bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, là où tu es, il y a le Saint-Esprit pleinement en toi. Commence seulement à demander à l'Esprit de Dieu qui est en toi de te guérir. Demande seulement à l'Esprit de Dieu qui est en toi d'apporter la paix, d'enlever le trouble dans ta vie. Il est avec toi. Dis-lui seulement de toucher le cœur de ton mari. Dis-lui seulement de toucher la vie de tes enfants. Il le fera parce qu'il est présent. Il le fera parce qu'il est là. Il est là. Il s'appelle Je suis. Hey, Yakaba Soto Baba. Il s'appelle Je suis. Il est omnipotent, omniprésent. Et il est là. Il est là où tu es. Commence à lui demander seulement, Père, que ta présence en moi agisse. Que ta présence en moi m'ouvre les portes. Que ta présence me guérisse. Ce soir, la présence de Dieu, et la baba baba baba, et yakaraba soto baba, appelle cette présence qui est en toi, et yababa baba baba lo soto lo chene baba, et kama mama 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 mama. Que la présence qui est en moi agisse ce soir. Que la présence de Dieu en moi agisse ce soir. Que cette présence touche les membres de mon corps. Que la présence de Dieu commence à restaurer ma vie. Que la présence de Dieu commence à restaurer mon cœur. Que la présence de Dieu commence à restaurer ma santé. Que la présence de l'Éternel en moi restaure mes trompes. Restaure l'utérus. Restaure les ovaires. Commence à restaurer ma relation. Que la présence de Dieu en moi commence à restaurer les choses. Restaure ma vie. J'appelle le Dieu de la restauration, qui répare là où c'était gaspillé, qui répare là où l'ennemi avait détruit, qui répare là où la maladie anéantit. J'appelle le Dieu de la restauration, le Dieu qui rentre là où la main de l'homme ne rentre pas, le Dieu de la restauration. Commence à réparer ma santé, commence à réparer mes organes, commence à réparer mes articulations, commence à réparer, bien-aimé, appelle le Dieu de la restauration. Et yandaraba soto baba. L'Esprit de Dieu en toi travaille. L'Esprit de Dieu en toi commence à restaurer. L'Esprit de Dieu en toi est en train de travailler ce soir. J'étais en train de dire que tu ne peux pas invoquer le Saint-Esprit. Il est en toi. Il est en toi. Et yababababababababa. Et hey, yababa, la présence de l'Éternel, la présence de Dieu déborde en moi. Que ta présence déborde en moi. Seigneur, que ta présence agisse maintenant. Là où ça ne marchait pas, là où tout est mal, toi tu peux restaurer, tu peux réparer. J'appelle la présence du Saint-Esprit. Commence à dire au Saint-Esprit de réparer ton couple, de réparer ta vie, de réparer ton dos, de réparer tes finances. L'Esprit de la restauration agit ce soir.
touche ce soir, manifeste-toi, l'esprit de la restauration. Eh, hey, tu es Dieu, je t'appelle ce soir, toi qui restaures, toi qui enlèves dans l'homme tout ce qui est mauvais, toi qui guéris les malades, quelle que soit la maladie, quelles que soient les déclarations médicaux, quand tu te présentes, la maladie libère les corps, restaure mon corps, restaure papa, que tout ce qui était mort en moi ressuscite ce soir. L'esprit de la restauration rentre dans mes foyers. Il y a une réparation qui est en train de se faire. Tu restaures même les raisonnements. Tu restaures même les pensées. Tu restaures la vie de l'homme. Saint-Esprit, répare mon fils. Répare la vie de mon fils. La vie de mon fils est en train de se détruire. La vie de ma fille est en train de se détruire. Le Dieu qui t'appelle le Dieu de la réparation. Et commence à réparer le Saint-Esprit. Et il y a ma chèque-robo. Ramassanta bababa. Rekaba bababa baba. Irobo soto bababa. Et yakaba bababa. Le Saint-Esprit. Bien aimé, là où tu veux que l'Esprit de Dieu commence à restaurer, touche. Est-ce que c'est ton ventre? Est-ce que c'est tes pieds? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est le bas-ventre? Oh, que l'Esprit de réparation te touche maintenant. Que l'Esprit de réparation te touche maintenant. Que l'Esprit de réparation te touche maintenant. Qui répare la santé de ton mari, qui répare la santé de ton fils, qui répare les raisonnements, qui répare tout ce qui va mal. Le Saint-Esprit rentre même dans le bureau, là où il y a mes dossiers négligés, mes dossiers qu'on ne touche pas. Répare. Et Kamasoto, l'Esprit de Dieu a réparé les pieds de paralytiques qui étaient assis devant la porte de la belle. Bien-aimé, Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il avait quoi? Il avait l'Esprit de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Il venait de recevoir l'Esprit de Dieu le jour de Pentecôte. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il a reçu le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il était devant le paralytique. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. L'Esprit de Dieu est rentré dans le pied, dans la vie de cet homme, à réparer les articulations, à réparer les os qui ont été brisés, à réparer le colonne vertébrale qui a été brisé par la paralytique, par la paralysie, pardon, le Saint-Esprit a réparé, qu'il répare ma vie aussi, qu'il répare ma santé aussi, il n'a pas changé. Eh, hey, Yababa, répare la santé de ma mère, répare la santé de mon père, répare la vie de mon père est dans l'alcool, mon père est ivrogne, mon père est dans la pudicité, mon mari est dans l'impudicité, il a réparé la vie de Paul, il a réparé la vie de Paul, Saul était un tueur, Saul était un impudique, Saul était un pécheur. Quand il a rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit a réparé. Et Namaché Nerobo, Yakaba Rabasoto, qu'il rentre dans ta maison ce soir, qu'il commence à restaurer et réparer tout ce qui ne va plus, tout ce qui va mal, tout ce qui est mort. Le Saint-Esprit repart, il repart, il restaure, il repart, il restaure. Reçois cette grâce, reçois cette grâce. Il agit en toi, il agit dans ta maison, il agit dans ta santé. Il agit en toi, l'esprit de la réparation. Il répare les santé. Ramasoto robo. Il répare ton couple ce soir. L'esprit de la réparation. Il a réparé le pied de cet homme paralysé pendant 38 ans. L'esprit de Dieu était en face de lui. 38 ans couché. Il ne pouvait pas s'élever. J'ai dit qu'il y a une situation qui va s'élever ce soir. J'ai dit qu'il y a une situation qui va s'élever. Il y a une situation qui était morte. Il y a une situation qui était paralysée. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit répare. Le Saint-Esprit répare. Le Saint-Esprit répare. Esprit de réparation. Il te touche ce soir. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Le Saint-Esprit est en action. Esprit de réparation. Esprit de restauration. Il a réparé cet homme. 38 ans alité. Il avait le colonne vertébrale brisé. Il avait les articulations brisées. Il avait, oh bien-aimé,
38 ans. 38 ans. Lui, il était un jeune homme de 3 ans. Il a résolu un problème de 38 ans. Il est carrément l'ancien des âges. C'est notre Seigneur. Il répare ce soir. Il répare ce soir. Ta vie est réparée. Ta situation est réparée. Là où on t'avait dit qu'on ne pouvait pas te recevoir. Ce soir, je viens te dire que c'est réparé. Tu seras reçu. Il y aura un cachet de validation qui va rentrer dans tes dossiers. Réparé, réparé, restauré. Le Saint-Esprit, il rentre dans ton travail, il restaure ton poste. Et namaché keraba, rakama mama 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 mama. Et il y a le Saint-Esprit qui agit. Il est en train de réparer. Qu'est-ce qui était mort? Qu'est-ce qui ne marche plus? Où est-ce que ça ne bouge plus? L'Esprit de la restauration est en train d'agir. Esprit de la réparation. Il est en train de réparer et te restaurer et te restituer ce que le diable avait volé. Le Saint-Esprit vient te restituer ce soir. Ah! Je parle à quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose que l'ennemi a volé depuis des années. La restitution, la restitution, la restitution. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Il te restaure ce que l'ennemi avait volé. Il te restaure ta santé. Il te restaure tes relations. Il restaure parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est puissant. Bien-aimé, laisse que la gloire de Dieu, que l'esprit de la récupération, que l'esprit de la restauration, que l'esprit de la réparation agisse dans ta vie, bien-aimé. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te remette entre tes mains ce que tu avais perdu. Je prie ce soir, l'Esprit de Dieu, quel que soit l'endroit là où on avait emmené ton mari, quelle que soit la maison de fétichère, quelle que soit là où on avait emmené ton étoile, quelle que soit là où on avait emmené ta vie, bien-aimé, le Saint-Esprit rentre dans l'eau, le Saint-Esprit rentre dans les forêts, le Saint-Esprit rentre dans les cimetières, le Saint-Esprit rentre même dans leurs chaudières, il rentre même dans leurs hôtels, il récupère, il te ramène tes finances, il récupère, il te ramène le mariage de tes enfants, il récupère, il te restitue ton mariage, il te restitue ta santé, il te restitue ta vie, ton travail, ton mariage, reçois cela, parce que cela est à toi. Le diable n'est qu'un voleur. Et Kabarobo Santa, il n'est qu'un voleur. Que tout ce qui est de toi qui a été emprisonné sort du prison ce soir. Je déclare, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je déclare et je décrète que tout ce qui t'appartient, qui était emprisonné, sort de prison maintenant. Que la puissance est du Saint-Esprit. Brise les prisons. Tu cherches ton titre de séjour depuis des années. Je brise cette prison et que tu sois appelé, que tu sois convoqué pour ton titre de séjour. Tu cherches l'enfant depuis des années. Tu cherches ton mariage. Oh, que les prisons soient brisées. Que les prisons soient brisées. Que les cadets soit brisé, que les talibas soient brisés, que les bouteilles soient brisées, et que ce qui est de toi sort, ce qui t'appartient sort, ce qui t'appartient sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que aujourd'hui tu reçois ce qui est à toi au nom de Jésus. Tu reçois ta santé, tu reçois tes finances. Qui a bloqué tes finances? Quelle est la main qui a bloqué tes finances? Quelle est la personne qui a bloqué tes finances? Je déclare sous l'onction de Dieu qu'il le relâche maintenant. Qu'il lâche tes finances, qu'il lâche maintenant, quel que soit l'endroit là où tes finances sont bloquées, que ça soit à la cave, que ça soit au trésor, que ça soit dans une banque, je déclare que le Saint-Esprit rentre maintenant, commence à débloquer, commence à débloquer. Tu vas recevoir un courrier, on t'appellera, tu vas contrôler ton compte, on a viré, parce que tout est débloqué au nom de Jésus, parce que le Seigneur vient te restituer ce qui est à toi. Je débloque cela, je débloque au nom de Jésus, que la main qui a bloqué lâche. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, au nom de Jésus. Que tout ce qui est de toi soit libéré ce soir, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, si tu crois, acclame Jésus. Si tu crois, écris-moi, maman, je crois à la prière. Je crois à la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu dois croire, notre Dieu est fidèle.
Bien aimé, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. On n'a pas un autre nom, le nom qui nous a été donné. Le nom qui nous a été donné, le nom de Yoshua, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé au-dessus de la mort, et au-dessus de l'échec, au-dessus de la condamnation, au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus est élevé au-dessus des sirènes des eaux, au-dessus des maris de nuit. Le nom de Jésus, je le lève dans ta vie, je lève le nom de Jésus sur toi, je lève le nom de Jésus dans ta maison. Je lève le nom de Jésus dans tes projets. Je lève Jésus. Je lève Jésus. En son nom, tous genoux fléchis. Là où ils ont mené ton nom. Là où il y a la mort. Je lève le nom de Jésus. Je rentre dans ta santé. Je lève le nom de Jésus. Je rentre dans ton foyer. Je lève le nom de Jésus. Je rentre dans ta vie. Je rentre dans la vie de ton mari. Le nom est élevé. Le nom de Yoshua. Alléluia. Et Kama Santaraba. J'ai du mal à sortir de cette présence. J'ai du mal à sortir de cette présence. J'ai du mal. Laisse que le nom de Jésus te touche ce soir. Que la puissance du nom de Jésus te saisit là où tu es. Que la puissance du nom de Jésus te transforme. Que la puissance du nom de Jésus te guérit ce soir. Reçois la guérison. Que la puissance du nom de Jésus te délivre des maris de nuit, des sirènes des eaux, des serpents. Te délivre de toute attaque du monde de ténèbres. La puissance c'est du nom. Et à ma chèque, baba, 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 ma chèque, baba, baba. Gloria ma santa baba. Re kamarobo sotobo. Re baba baba baba. La puissance, j'entends dans mes oreilles. Le nom de Jésus vient mettre de l'ordre. Il vient mettre de l'ordre dans ta vie. Il vient mettre de l'ordre dans ton foyer. Il vient mettre de l'ordre dans tes projets. Dans tes démarches. Il vient mettre de l'ordre. Ce soir, le nom, le nom, le nom. Et un seul nom qui nous a été donné. Il vient mettre de l'ordre. Alléluia. Oria baba baba baba. Sois bénie, ma fille immaculée. Anasie, là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Sois bénie, ma fille Stéphanie de Bordeaux. Sois bénie, ma fille immaculée depuis Nantes. Et comme c'était, le nom de Jésus est élevé dans ta maison, Marie-Thérèse Massanga. Le nom de Jésus est élevé dans ta maison, le nom qui délivre, Yagloire Matondo. Le nom de Jésus est élevé dans ta vie, le nom qui délivre, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les acclamations? J'arrive pas à sortir de cette présence, je n'arrive pas. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, envoyez-moi des acclamations, envoyez-moi des acclamations. Alléluia, 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 alléluia. Et Kabasheke Baba, et Rabasanta Baba. Que l'Éternel te bénisse, la diagonale Nelingeku, et Kabarabasotobo. Le nom de Jésus est élevé dans ta maison. Yafosh, le nom de Jésus est élevé dans ta maison. Nice, ma fille, le nom de Jésus est élevé. Partagez la vidéo, partagez. Un seul nom, un seul nom, un seul nom. Le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui touche, le nom qui libère, le nom, le nom, le nom qui saisit, le nom de Jésus, la diagonale Miraconda. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Diane, le nom de Jésus dans ta vie, le nom de Jésus, un seul nom, un seul nom. Hey, Yamacheke Baba. Ramacheke Rabasoto Baba. Oh, Jésus. Il est le même, hey, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé. Il est le, oh, ma santa baba. Le nom de Jésus est élevé dans ta vie, maman Nadège. Le nom de Jésus est élevé dans ta vie, ma fille Roncia, Michel Matan. Le nom de Jésus est élevé dans ta vie, Michel Matan. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Hey, 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 hey. Je te transmets cette onction. Namaché ke raba. Eh kaba sheke baba. Eh ya baba 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 baba. Eh Jésus, 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 Jésus. Je te transmets cette onction. Que cela rentre en toi et que cela opère des miracles dans ta vie.
Que cela opère des miracles dans ta vie. Bien-aimé, pendant que je transmets, commence à demander quelque chose à Dieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse ce soir? Loba, Loba, il est comme encore. Loba, rentre. Connecte-toi à cette onction. Je le sens sur moi. Je te transmets cela. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi. Hey, ya, ma. Connecte-toi, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que cette onction change quelque chose dans ma vie. Que cette onction touche mon corps. Que cette onction restaure. Eh bien-aimé, connecte-toi, je te transmets cela. J'enlève et je te transmets. J'enlève et je te transmets cette onction. Oh, je le sens tout haut sous moi. Eh, Yaba Santa Robo Shende Baba. Yandamase, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Reçois ta guérison ce soir. Je vois les masques qui sont en train de tomber. Les masques de vieillesse dans la vie des femmes. Ça tombe, ça tombe. Je vois cela en train de s'éclater. Eh, Yaba Baba. Eh, Yandaba. Maman, Jésus. Wow, reçois la grâce. Oh, yabashoke, baba. Kera, baba. Que la grâce de mon Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te visite ce soir. Que le Seigneur te fasse du bien. Notre Dieu est fidèle et juste et bien-aimé. Reçois cette onction. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Ainsi soit-il. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Et tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Tu vas commencer à acclamer Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Acclame Jésus. Envoyez des acclamations. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses hauts faits. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de Jésus. De la chevelure de ma tête jusqu'aux ongles de mes orteils. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom le plus saint, le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple béni de Dieu. Alléluia, peuple de l'Éternel. Shalom, shalom. La diaconesse Rachel Miracanda, depuis Pointe-Noire, que Dieu te bénisse. Ma fille Nice, sois bénie. Lindsay, que Dieu te bénisse. Alléluia, soyez bénis. Et peuple de Sion, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes abondamment bénis au nom de Jésus. Nous voulons entrer dans notre temps d'exhortation, bien-aimés. Un quart d'heure d'exhortation, bien-aimés, dans le Seigneur. Et nous intitulons cela « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Waouh! Qu'est-ce que j'aperçois? Diane, eh ben, dis donc, que Dieu te bénisse, ma fille. Waouh! Diane, sois bénie, Karebo Saya. Quelle agréable surprise. Que le Seigneur se souvienne de toi. Gloire soit rendue à Dieu, Rabashaya. La famille Matondo, soyez bénis, Mishmatan. Que Dieu vous bénisse, Stéphanie. Alléluia. Les FAS de Bordeaux, Poitiers, de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Là est le thème que nous allons, bien-aimé, exploiter. Yabarebo Saya. Un seul verset. Waouh. Un seul verset. Alléluia. Ésaïe 54, verset 17. C'est tout. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi, contre toi, sera sans effet. Alléluia. Dit l'Éternel des armées. Yabarebo Saya.
Que Dieu vous bénisse et vous toutes et tous et qui avez inscrit le thème sur les écrans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes, c'est bien cela. Ésaïe 54, verset 17. Amen. Alléluia. Bien-aimés, et permettons quand même que je lise sur la parole de Dieu, sur la Bible, même si nous connaissons par cœur cette écriture. Amen. Sois béni la servante de Dieu. Gloire, que Dieu te bénisse. Alléluia, sois béni, ben moelle, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut que leur viendra de moi. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. La signature est la dit l'Éternel des armées. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ah, 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 ah. Ce qui me plaît encore davantage, c'est ce que Dieu dit à la fin de ce verset. Dit l'Éternel des armées. C'est la signature. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Toute arme forgée, préparée, conçue contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Et je vais expliquer ce que sont ces armes, bien-aimés, dans le Seigneur, et ce que c'est cette arme et que l'ennemi a préparé et retourne contre toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous savons très bien rapidement ce que c'est qu'une arme. Amen. Une arme est conçue, bien-aimés, pour nuire, pour combattre et faire du mal, tuer, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les couteaux de cuisine ne sont pas des armes. Amen. Ce sont des instruments de cuisine conçus, bien-aimés, pour cuisiner. Alléluia. Pour cuisiner. Alors, le couteau de cuisine, bien-aimés, dans le Seigneur, devient une arme et contre la personne qui s'en saisit, bien-aimé, à l'intention de nuire à la vie d'une personne. Là, on peut parler d'une arme blanche. Mais un couteau seul à la cuisine n'est pas une arme. On l'appelle couteau de cuisine. Alléluia, bien-aimé. Elle devient une arme contre à l'intention de la personne qui s'en saisit. Alléluia. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que l'ennemi utilise plusieurs armes pour nuire à notre vie, pour nous attaquer, bien-aimés. Et des fois, ce sont aussi des armes que nous lui donnons comme quelqu'un qui lui donne un bâton pour se faire battre. Alléluia, bien-aimés. Mais Dieu est en train de dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, dit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cependant, dans le monde spirituel, l'ennemi peut utiliser et plusieurs sortes d'armes. Amen. Alléluia. Ne voyez pas une arme comme un couteau. Ne voyez pas une arme comme seulement un fusil, comme seulement un pistolet, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des armes spirituelles que l'ennemi utilise, bien-aimé. Et toute arme, bien-aimé, possède un pouvoir. Une arme possède un pouvoir. Je vais donner un exemple, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la foulée. Regardez quand un braqueur entre chez toi avec un pistolet, le fait de te mettre un pistolet sur la tempe. Alléluia. Tu commences à faire tes besoins sur toi. Pourquoi? Parce que le pistolet a un pouvoir. Et tu reconnais le pouvoir du pistolet. Et si jamais ton agresseur appuie sur la gâchette, il cause des dégâts. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Quand on te met en joue, bien-aimé le Seigneur, tu comprends que le pouvoir de l'arme peut s'exercer contre toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Cependant, l'ennemi utilise des fois des armes subtiles. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que l'ennemi peut utiliser une arme appelée la maladie. La maladie peut devenir une arme de l'ennemi et contre ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, pour t'empêcher de faire et ce à quoi Dieu t'a destiné, pour t'empêcher de faire, et ce à quoi Dieu, bien-aimé, t'a introduit dans le temps. Il y a des maladies aujourd'hui qui nous paralysent, qui nous neutralisent, ce sont des armes que l'ennemi utilise, alléluia, et pour nous empêcher, bien-aimé, dans le Seigneur, d'aller là où le Seigneur nous attend. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia, il y a plusieurs armes que l'ennemi utilise. Il peut utiliser une arme appelée la colère, car derrière une arme, il y a un pouvoir. La colère peut exercer un pouvoir et qui peut permettre de t'éloigner de
des relations ou de certaines personnes. C'est une arme, alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible est en train de dire que ces armes ne pourraient plus te nuire. Au nom de Jésus, quelle est l'arme qui est utilisée par l'ennemi pour te nuire? Quelle est l'arme que l'ennemi utilise contre toi, bien-aimé, dans le Seigneur? Alléluia, Rebosaya. Aujourd'hui, nous voyons avec la dépravation du monde, l'ennemi utilise une arme redoutable appelée sexe. Le sexe peut être utilisé comme une arme. Alléluia. Le sexe hors mariage devient une arme, bien-aimé, dans le Seigneur, et pour t'empêcher, bien-aimé, par son pouvoir, et d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Oh, Rabashaya. C'est pour cela que Dieu dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bien-aimé, dans le Seigneur, à côté, dans Luc 10, 19, Dieu dit, il nous a donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents et les scorpions. Toutes les armes que l'ennemi puisse utiliser, cependant, Jésus nous a donné le pouvoir. Arebosaya, ce pouvoir est contenu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme redoutable, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous devrions utiliser et contre les assauts, alléluia, du monde des ténèbres. Alléluia. Dans ta bouche, tu as une arme redoutable et qui a un pouvoir, qui porte un pouvoir démesuré, qui porte un pouvoir que nul ne peut contrôler, qui porte un pouvoir qui peut détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, toute arme forgée contre toi, l'ennemi conçoit, prépare, travaille des armes et auxquelles il donne des formes pour te nuire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les armes et qu'il peut forger et qu'il peut travailler et concevoir et contre ta vie, contre ton avenir et contre ta destinée, alléluia, que cela devienne nul et sans effet au nom de Jésus, parce qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les autorités et les dominations, alléluia, il a dépouillé le pouvoir des armes des ténèbres, rabo saya, alléluia, que l'ennemi utilisait contre toi. Jésus a dépouillé le pouvoir de toutes ces armes. C'est ainsi qu'il est écrit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, car à la croix, Christ l'a accompli. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, il nous a donné une arme, bien-aimé le Seigneur, qui est sa parole, que nous devons utiliser et contre toutes les armes des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment il combat et il tue notre vie de prière et par, justement, bien-aimé le Seigneur, le sommeil spirituel, par la fatigue spirituelle. Il tue, c'est une arme qui vient tuer ta vie de prière. Tu n'as plus envie de prier, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi utilise une arme, alléluia, pour tuer ta vie de prière. Orebo sakarabroski. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Arme contre arme. Orebo sa. Pouvoir contre pouvoir. Ce que je sais, le pouvoir de Christ, celui qui est resté d'entre les morts, est au-dessus de tout pouvoir. Il a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Que les armes viennent des tombes, que les armes viennent des cimetières, Jésus a reçu tout pouvoir. Que les armes viennent de la terre, que les armes viennent des airs, que les armes viennent du ciel, il y a un homme de 33 ans qui a reçu tout pouvoir. Oh, Rabashana Rebosaya, au nom de Jésus. Et ce soir, bien aimé, le pouvoir de toutes les armes des ténèbres, alléluia, ils vont être neutralisés, par le pouvoir, le tout pouvoir de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te combat? Quelle est l'arme que l'ennemi utilise pour combattre ta vie? Alléluia. Peut-être que tu es déjà affecté par le pouvoir d'une des armes des ténèbres. Peut-être que tu es déjà affecté. Peut-être que tu es déjà en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors les méfaits, alléluia, les conséquences des armes des ténèbres. Arebosaya. La Bible déclare, Arebosaya, que ce soir, nous neutralisons, alléluia, nous déconnectant le pouvoir, bien-aimé le Seigneur, des armes, alléluia, des ténèbres contre nos vies. Au nom de Jésus, quelle est cette arme? La stérilité peut devenir une arme. Une arme que l'ennemi utilise contre toi pour t'empêcher de féconder, pour t'empêcher d'enfanter. Le célibat peut devenir une arme que l'ennemi utilise contre toi pour ne pas entrer, alléluia, dans le bonheur de ton mariage. Arebosaya, au nom de Jésus, que tout pouvoir du célibat tombe, que tout pouvoir de la stérilité tombe, que tout pouvoir de la maladie tombe. Au nom de Jésus, quelqu'un va prier. Tu vas prier contre ces pouvoirs.
Quel est le pouvoir qui sévit dans ta famille? Quelle est l'arme utilisée dans ta famille? L'ennemi utilise une arme dans ta famille. Alléluia. Oh, le pouvoir de cette arme doit tomber. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que moi, je dois avancer. L'ennemi peut utiliser une arme qu'on appelle mari et femme de nuit. Alléluia. Et pour tuer des couples, pour t'éloigner des relations, il peut utiliser l'arme appelée au mari de nuit, à les femmes de nuit. Allez, ce soir, le pouvoir des maris et femmes de nuit est en train de tomber. Au nom de Jésus, quand ce pouvoir tombe, le pouvoir de leurs hôtels aussi tombe. Yabarebo Saya, Ikarabo Santa, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Nous sommes en train de chuter. Tu vas prier pour ta vie. Toute arme forgée contre toi doit être sans effet au nom de Jésus-Christ. Yabarebo Saya, quelle arme que l'ennemi utilise pour t'imposer dans l'échec? Quelle arme l'ennemi utilise, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, pour essuyer des refus à chaque fois? Oh, Yabarebo Saya, que toutes ces armes tombent. Le pouvoir de toutes ces armes, allez, doit être neutralisé. Et Yabarebo Saya, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Il est écrit encore, alléluia. Paul a dit aux Corinthiens, Yabarebo Saya, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, que les armes avec lesquelles nous combattons, alléluia, ne sont pas charnelles, alléluia. Cependant, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Yabarebo, pour renverser les forteresses. Yabarebo Saya, alléluia. Renverser les forteresses, alléluia. Oh, Yabarebo Saya, et toute forteresse, les armes des ténèbres, Yabarebo Saya, elles doivent tomber, doivent être neutralisées et mis hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui nuit ton ministère? Yabarebo Saya, quel est le pouvoir qui s'exerce contre toi? Quel est le pouvoir qui s'exerce contre tes relations, contre ton mariage? Alléluia, tu es dans un mariage qui bat de l'aile parce qu'il y a un pouvoir, il y a une arme qui est entrée, qui exerce un pouvoir. Alléluia, quel est le pouvoir que tu subis? Yabarebo Saya, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui combat ta famille? Qu'est-ce qui combat ta maison? Qu'est-ce qui combat tes enfants bien-aimés dans le Seigneur? Yabarebo Saya, tu ne vis pas la vie que Dieu a conçu que tu vives. Alléluia. Pourquoi cela? Pourquoi? Quelle est la porte par laquelle, alléluia, l'ennemi est entré? Yabarebo Saya, l'ennemi est comme un braqueur. Il entre chez toi, cependant il a une arme. Il a une arme pour égorger. La Bible déclare que l'ennemi, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Égorger et détruire. Quand il vient pour égorger et détruire, il entre avec une arme. Quelle est l'arme qu'il utilise contre toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques, bien-aimé le Seigneur? Yabarebo Santa, maladie sur maladie. C'est quoi cette arme-là? Alléluia! À la croix, il a neutralisé, Yabarebo, l'arme de la maladie, Yabarebo Santa. Au nom de Jésus-Christ, n'est-il pas écrit dans Ésaïe 53, verset 5, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris? Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place à la croix. Alléluia! Robosha, Yabarebo, Robosha. Il a neutralisé cependant le pouvoir de l'arme appelée maladie, quelle que soit l'appellation, alléluia, dans le domaine des armes. Arme, chaque arme a son appellation. Même les pistolets, même les fusils, chaque fusil a son appellation. Alléluia. Cependant, alléluia, l'arme de la maladie a aussi plusieurs appellations. Ça peut être le diabète, une arme. Alléluia. Oh, ça peut être le cancer, l'appellation d'une arme. Alléluia. Ça peut être l'hypertension. Alléluia. Oh, c'est l'appellation d'une des armes des ténèbres. Mais ce que nous savons, alléluia, par le nom de Jésus, nous neutralisons le pouvoir de ces armes. Alléluia. Nous dépouillons le pouvoir de ses armes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Urebo Shakaraba Santa Marebro Saya. Il y a une arme qui a prévu le divorce. Il y a une arme qui a prévu le divorce. Alléluia. Cependant, je lève ma main, Rebo Saya. Je viens dépouiller la force et le pouvoir des divorces. Au nom de Jésus. Si ton père a divorcé, si ta mère a divorcé, tu ne divorceras pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes d'une autre génération. Au nom de Jésus. Et nous nous liguons contre ces armes. Les armes qui ont combattu nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh. Et Yabarebo Sakarabro. Au
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Commence à prier, bien-aimé. Commence, bien-aimé, à détruire le pouvoir des armes utilisées contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ce que tu sens, ce que tu expérimentes, alléluia, ce sont les effets et les conséquences du pouvoir d'une arme de ténèbres et qui est lancée contre toi. Dans le nom de Jésus, commence à détruire, détruire tout ce pouvoir, détruire ces armes au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier, aller prier pour ta vie et prier contre les armes utilisées par les ténèbres? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, dit l'Éternel des armées, au nom de Jésus. Et Yabarebo Santa, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe autour de toi et à côté de toi? Dans le nom de Jésus-Christ, assurément cela vient des ténèbres. Et Yabarebo Santa, ce ne sont pas les plans que Dieu a conçus pour toi, car il a dit à Jérémie 29 verset 11, je connais les plans que j'ai formés pour toi, les plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, alléluia, et de l'espérance. Yabarebo Saya, Yahweh, le problème c'est pas la guerre, alléluia. Ici je parle des armes utilisées et pour t'attaquer, pour te nuire, alléluia. Oh, il a dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre seront là, bien aimé dans le Seigneur. La guerre sera là. Il y aura des guerres, que tu le veuilles ou pas. Mais cependant, il dit à Jérémie, alléluia, mais ils ne te vaincront pas. Non, toi, ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais tu ne tomberas pas. Yabarebosaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur alors mette et établisse un bouclier autour de toi. Ils mettent un bouclier autour de toi. Ils tireront sur toi. Ils lanceront leurs flèches, les traits enflammés contre toi. Mais que le bouclier de la foi, alléluia, oh Rebosaya, vienne enrayer et tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ, ils viseront, bien aimé dans le Seigneur, le côté le plus faible. Alléluia. Là où tu es faible, l'ennemi ne peut pas t'attaquer là où tu es fort. Alléluia. Ils visent les points faibles, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te rende plus fort. Au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel te rende plus fort dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, 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 oh. C'est toi qui es vainqueur. Alléluia. Et c'est Jésus qui gagne. Au nom de Jésus. Oui, ma fille immaculée, c'est Jésus qui gagne. Hey, souviens-toi comment tu as remporté cette épreuve. Comment tu as remporté cette victoire. Ma fille immaculée, souviens-toi, souviens-toi. Alléluia. C'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire parce que nous sommes victorieux avec celui qui a vaincu à Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui te donne la victoire au nom de Jésus. Allez, reçois ta victoire. Allez, entre dans ta victoire au nom de Jésus. Et aucune arme de l'ennemi, alléluia, ne t'atteigne. Aucune arme de l'ennemi ne te neutralise. Aucune arme de l'ennemi ne t'affaiblisse. Aucune arme de l'ennemi ne te tue. Toi, tu ne mourras pas. Et comme David a dit, non, non, non. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois cela, Ben, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Tel est le lot de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh oui, nous arrivons juste à l'heure. Il est 23h28 et on arrête à 30. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Juste un quart d'heure, bien-aimé, et d'exhortation et de prière. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, et même à la maison, continue à faire cette prière. Alléluia. À dépouiller les armes et tout l'armement et l'armure des ténèbres, bien-aimé, dans le Seigneur. L'ennemi utilise plusieurs armes. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, il se sert de plusieurs armes. Ça peut être une situation, mais dans la situation, il y a une arme que l'ennemi avait préparée et a forgée contre toi. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Alléluia. Le discernement, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez que même un homme peut être utilisé par l'ennemi comme une arme. Depuis que cet homme est entré dans ta vie, plus rien ne marche. Parce que ça a été une arme, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ça a été une arme, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et comme tu es tombé dans le panneau, et aujourd'hui, regarde la vie que tu vis. Ça peut être une femme, bien-aimée, et une arme de l'Éternel. Mais je ne dis pas de commencer à soupçonner les gens. Non, il faut discerner. Dans les relations, en matière de relations, il faut discerner. Il faut discerner, bien-aimé. Il y a des hommes armes. Il y a des femmes armes. Il faut le discernement, il faut l'œil de l'aigle, alléluia, pour avoir la révélation. Faites très très attention, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous préserve et de cette catégorie de personnes, au nom de Jésus, et qui s'éloigne loin de vous.
dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te couvre, alléluia. Le sang de Jésus te met dans une bulle, au nom de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus devienne, alléluia, un bouclier autour de toi, rebosaya. Ils viendront, ma rebosaya, mais ils te trouveront dans la bulle du sang de Jésus. Le sang avec lequel Jésus-Christ a vaincu le monde. Alléluia. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, alléluia, qui nous a justifiés. Yabarebosa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, ô peuple de Sion. Soyez bénis. Vous êtes bénis, vous qui entendez ces choses-là. Vous êtes bénis, vous tous qui êtes connectés. Et partagez, bien-aimés, dans le Seigneur, dans vos différents cercles d'amis. Partagez, bien-aimés, et ces courts temps, bien-aimés, de prière, mais qui peuvent révolutionner plusieurs vies. Alléluia. Qui peuvent transformer plusieurs vies, bien-aimés. Quelqu'un peut comprendre, bien-aimés, ce qui se passe dans sa vie, juste en écoutant une portion, bien-aimés, de l'exhortation. Alléluia. Et peut prier, et comme nous venons de prier dans ce live. Alléluia. Ne garde pas cette vidéo pour toi et partage. Fais une large diffusion, bien-aimé, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour les annonces, alors nous disons que demain nous sommes à l'église, bien-aimé, culte de solution, culte de miracle, mercredi solution, bien-aimé, et où, si Dieu le permet, nous pourrions continuer avec ce message, bien-aimé, dans le Seigneur, et en profondeur, ou sinon, bien-aimé, nous serons vendredi aussi à l'église, mais en veillée de prière. Nous rappelons que nous n'aurons pas culte l'après-midi, mais nous viendrons le soir à partir de 21h30 pour la nuit de prière. Alléluia. La nuit de prière, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, alors, commence à t'organiser, à te préparer, surtout pour vendredi, mais sachez que demain aussi, nous serons au culte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et l'église, nous sommes au CCI 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne, alors RER A, direction Marne-la-Vallée, et descendre à l'arrêt Noisy-Champs et prendre la sortie, je crois, 29, sortie quartier de Nesle. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et nous sommes ensemble. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus, et à très bientôt. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur.